Ok, c'est Sinox. Donc en direct d'Eleven Studio, un nouveau studio dans 94. Effectivement. Donc bonjour à vous les gars. Bonjour, Salam. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui vous connaissent pas? Vas-y, moi c'est Melka, 20 ans, j'habite en Suisse, à Lausanne. J'ai sorti plusieurs morceaux, ça fait 7 ans que je fais du rap. Voilà. Moi Salam, c'est Soufa Dawa, rappeur de Vitry, 19 ans. Il n'y a pas encore de projet concret, mais bon, ça fait quelques morceaux. Je suis avec Muslim United, Abdelmajid. Donc là, on est dans son studio qui est en associé avec Julien. Donc voilà, le studio Eleven Studio, enregistrement, mixage. Je viens d'écouter un morceau de vous deux. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce morceau? Comment elle s'est faite, la connexion aussi Vitry-Suisse? Bah écoute, Melka, toi, t'étais dans Amalgam. Ouais, j'étais dans Amalgam, ouais. Interdire le hijab, c'est se voiler la face. La parole de Dieu les gêne, crois pas que le Coran s'efface. On est pointé du doigt parce que la barre dépasse. Divisé pour régner, ils veulent que nos liens se défassent. Comment s'intégrer parmi des gens qui pensent que t'es nuisible, contrôlé dans toutes les rues, à croire qu'on sort avec des fusils. Je peux rappeler un peu pour les gens qui n'ont pas suivi, c'est quoi En fait, Amalgam? Amalgam, je crois, il est sorti en 2011. Il est sorti en 2011 avec plusieurs rappeurs, Canardo, il y avait plein de monde, c'est quoi MC, Sofiane, tout ça. Abdelmajid, il m'a appelé, il m'a contacté via Facebook, il m'a demandé de venir enregistrer, je suis venu direct. Vous vous connaissiez Donc moi, personnellement? à ce moment-là, là, au morceau d'Amalgame, c'est bien avant, 2-3 semaines avant, j'avais fait la connaissance d'Abdelmajid. Moi, j'étais au lieu de... C'était où? C'était à Bercy, c'est ça? Ouais, c'était à Au Bercy. tournage, j'étais là et tout, mais moi, j'étais pas dans le morceau. Donc voilà, on s'est vu en plus. Ouais, on s'est vu, on s'est On vu. s'était vu, depuis. On s'est vu. Donc voilà, récemment, il est venu sur Paris. On s'est vu, voilà, on a parlé. Et donc toi qui viens de Suisse, tu peux nous Ouais. expliquer un peu comment ça se passe le rap en Suisse aussi? Parce qu'il y a des Le rappeurs rap, là-bas. ouais, il y a des rappeurs, mais le rap en Suisse, il est pas vraiment mis en avant, tu vois. Il est. Vu que les gens, tu vois, les gens de Paris, même pas les gens de France, ils s'intéressent plus au rap, tu vois. Français, américain. Ils s'intéressent pas au rap suisse, belge, tous ces trucs-là, tu vois. Vu que la capitale, c'est vraiment Paris, tu vois, la capitale du rap, tu vois. Donc, nous, le rap en Suisse, il est pas mis en avant. Il y a plusieurs rappeurs. Il y a beaucoup de talent, tu vois. Il y a beaucoup de talent, mais il n'y a pas de. Déjà, il n'y a pas de site. Tu vois, des sites de rap, on n'en a pas. Les radios, elles passent que ce qu'il y a de connu, tu vois. Elles vont chercher en France, aux États-Unis. Elles viennent pas chercher en Suisse, tu vois. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et toi, on sait que tu viens de Vitry, Vitry, capitale du rap. C'est pas Paris, c'est Vitry, gros, que putain de rap. Donc beaucoup de rappeurs. Mais beaucoup, il n'y a que ça, mon frère. Tu vas voir un petit, tu lui dis Salem, tu rappes, ouais. Il n'y a que ça. Et comment tu vis au jour le jour le fait de rapper à Vitry? Parce que c'est quelque chose que tout le monde fait là-bas. Comment tu te démarques des autres, toi? Tu te dis, moi, on va plus m'écouter. Comment se démarquer des autres? T'as avec un style différent. Ouais, on a chacun son style. Après, moi, j'essaie de m'ouvrir à différents trucs, varier mes flows et tout. C'est comme ça que j'essaie de différencier des autres. Et donc c'est un freestyle à découvrir bientôt? Ouais, bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Un petit aperçu du freestyle? Vas-y. Pourquoi pas? C'est le S, c'est le O, c'est le U, c'est le F, c'est le A, de deux A, W, A. Soufa Dawa dans tes enceintes, qui t'a dit que j'étais dead pote? Je suis là, j'arrache tout comme Godzilla, synonyme de la guérilla. Mana mana mal, écoute de pompe et de chasse et assez, il faut que tu fasses là. Clarée, pas paré, pas carré, pas préparé, petit arrêt. Arrête sur ton vécu, qui n'a rien de rose, sur ton pas vécu. Éliminé, flow, OMG, trop de mecs à manger. OP, filtre changé, une argument dégagé, cesse de me déranger. Ton âme va papillonner, tu es passionné pendant. C'est à nous rayonner, le soleil cesse de rayonner. Muslim United, toujours actif pour défendre des causes. Dis-moi, pourquoi crier SOS quand t'es entouré de tes sauces? Un goon que t'es, que t'es. Cible en vue, vous êtes détecté. Monsieur, s'il vous plaît, dites-moi à quelle drogue vous êtes vous pété. Donc ça fait po 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 sur ton ennemi de droite, po 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 sur ton ennemi de gauche. Qu'est-ce t'en penses, nos véhicules se rencontrent? Y'a l'hmar d'un contre sens. C'était mon équipe, on est là pour le. On va fumer tous tes types, même rassemblés. Je suis venu prendre le titre, j'ai pas son blanc. J'ai rappé dans la street, freestyle sanglant. J'parle pas de fesses de meuf de braco, grâce d'aide à mes blonds, mes beurs, mes blacos. J'suis pas de la nouvelle vague qui arrive. J'les noie tout, j'arrive, on bateau. Tu veux un feat, allonge de tarif. Faut que j'paye mes factures. On détait, j'fais pas du rap pour les titres fumeux ni pour rouler dans une grosse féfé. J'ai même voulu tout arrêter, rapper son ambiance tout péter. Dans ce bas monde, c'est chacun pour soi. Non, personne ne viendra t'aider. J'suis pas dans le rap pour me faire des poteaux. Genre du lot, y'a même pas photo. Les verres finiront par bouffer ta chair. Ray, ça même si t'es costaud. C'est dans le 9-4 que j'fais mes bails. J'suis déter qu'une dernière Jedi. Aucun de ces mecs ne sera de taille. J'gagne la guerre et toutes les batailles.